Orléans. Nous partons avec deux des 30 pêcheurs professionnels encore en activité sur la Loire. Bruno et Robert, amis passionnés de pêche depuis l'enfance, ont accepté de faire pêche commune pour nous narrer leurs expériences sur la rivière. Oui, rivière, c'est comme ça qu'ils nomment la Loire. Métier plutôt solitaire aujourd'hui, il l'était moins du temps des grands filets barrages, ces immenses filets qui barraient le passage au saumon. Poisson roi de la Loire, il y a 2 siècles, ce migrateur s'est raréfié. Car la Loire a changé, le poisson aussi. L'arrêt des dragues de sable dans les années 90 a profondément modifié la rivière. Moi j'ai vu arriver le sandre, j'ai vu arriver le silure, j'ai vu arriver les aspes, j'ai vu disparaître les saumons, les anguilles. C'est une évolution permanente en fait, la rivière. Robert pêche depuis 38 ans. Il a connu la vente directe aux restaurateurs qui concevaient leurs cartes en fonction de l'arrivage. Bruno, lui, de formation supérieure en gestion d'espaces naturels, pêche professionnellement depuis 8 ans. Je n'ai pas connu la pêche du saumon, les anguilles, disons, en quantité importante, et puis même la friture. Donc la masse des poissons que je prenais, c'est du poisson du cyprinidé, du poisson blanc, qui a de nombreux arrêts, donc à part... difficile à commercialiser dans une filière traditionnelle en restauration, donc c'est pour ça que je me suis mis à me dire faut que je transforme mon poisson pour y donner de la... pour pouvoir tout transformer de ma pêche. Pour un pêcheur comme Bruno, qui les transforme, tout est bon. Là, il n'y a aucun problème, tout est bon. Mais au niveau pêche pure, comme moi je fais, c'est très limité maintenant. Par exemple, maintenant, la carpe, c'est difficile à passer, le silure... il a mauvaise presse, alors qu'il est très bon. Silure, c'est un poisson d'Europe centrale, donc qui était méconnu quand il arrivait. Mais à savoir que c'est un poisson qui a la carte de restaurant sur les bords du Danube. C'est un poisson qui a une chair assez ferme, donc, et notamment sur la Loire, parce qu'il résiste au courant. On peut le cuisiner un peu comme la lotte, c'est un poisson à chair assez ferme. Alors ça, ce sont des algues filamenteuses qui se développent depuis quelques années en Loire, dès que la Loire chauffe. Ça se développe sur le fond, apparemment. Après, ça se décroche, ça se promène partout. Dès 2005, les algues filamenteuses prospèrent. Elles empêchent la pêche, mais aussi l'installation des poissons. Cette production végétale de plus en plus importante est due à plusieurs facteurs combinés. Aujourd'hui, on a un fleuve qui se dégrade avec l'algue filamenteuse. Simplement, les taux de minéraux dans l'eau baissent, que ce soit nitrate, azote, phosphate. Donc on pourrait dire la Loire elle s'améliore en qualité. Il y a moins de minéraux dans l'eau. Simplement, l'eau est plus claire et il y en a encore suffisamment pour que l'algue se développe. Le biotope change. Le poisson devient l'aliment de beaucoup de prédateurs. Les oiseaux pêcheurs prélèvent leur tribu, comme le cormoran qui ingurgite un demi-kilo de poissons par jour. Il en est de même des populations piscicoles, avec de plus en plus de poissons carnassiers. Dernière arrivée, l'aspe. Ouais, on peut, hein. Je sais pas. Actuellement, donc il y a un nouveau poisson qui est l'aspe qui est arrivé. Donc un poisson cyprinidé, la même famille que les carpes, que les brèmes, que les chevennes, mais lui qui devient carnassier à taille adulte. Donc ça fait un poisson, bien sûr, qui s'attaque à la friture. Le silure en mange également. On a également, quand on parlait des cormorans, donc ça fait beaucoup de choses qui attaquent le début de la chaîne. On ne sait pas de quoi va être faite les 10 prochaines années. En tout cas, la Loire, elle est en train de se changer de paysage et vraiment changer radicalement. Donc il y a plein de paramètres nouveaux. Donc les poissons vont sûrement s'adapter. Après... on ne peut pas savoir, l'évolution elle est importante là, depuis les 10 dernières années. Donc... Issus de la tradition et poussés par l'avenir, les pêcheurs professionnels s'inscrivent dans une gestion durable. Constamment sur le terrain, ils sont les premières sentinelles de l'évolution du paysage ligérien.